My name is Jeanne Lorenz. I'm a literacy teacher. The goal of Deaf Anglo Literacy Center is to help to English deaf person to learn reading and writing skills and improve their lives and social activities. We, DALC, offer English literacy course to teach deaf English in order to improve their lives, inform about the deaf history and culture, and about the events that happen among the deaf all around the world, provide American Sign Language, ASL, course for the deaf person with weak sight language skills. And also we offer computer and internet course. Mon nom est Stanislav Auparin. Je suis formateur en informatique et responsable du bon fonctionnement de l'équipement informatique ainsi que de son accès à Internet. Cette nouvelle technologie est très importante pour les sourds parce qu'elle est visuelle. Ainsi, les sourds peuvent voir et comprendre mieux ce qui se passe dans le monde. Pour les sourds qui éprouvent des difficultés de communication avec entendants et qui ne peuvent bien lire, l'Internet offre les possibilités de s'informer en regardant des reportages et des nouvelles en langue des signes, de s'instruire en consultant un dictionnaire de la langue des signes pour connaître la signification d'un mot, et de communiquer avec le monde via webcam. Alors les sourds se sentent à l'aise avec cette technologie et viennent ici pour apprendre sur l'ordinateur et améliorer leurs connaissances en informatique pour améliorer leur vie. My name is Dan Borodé. I am retired. I come to the ALIC volunteering. When I meet people, it is hard for me to communicate with hearing persons as they do not know sign language. I have to use writing. It is much easier for me to communicate with deaf by sign language. It is really hard for me to talk with hearings. I am interested to come here for internet, socializing with people, helping them solve computer problems, and exchanging ideas and information about new internet technologies. It's interesting. I come for internet to see the OIC movies, which offer the translation of the current news into American Sign Language. It is very clear for me, and I understand better that happens in the world since I do not read well. There are other kinds of information offered in sign language online, services, movies, travels. It helps me to stay informed. I'm very pleased. Thank you.
Mon nom est Monique Lanouette. Je vis à Montréal. Ma langue est la langue des signes québécoise, le LSQ. Et je viens dans ce centre d'alphabétisation pour apprendre l'American Sign Language, ASL. Parfois, j'ai des problèmes en naviguant sur Internet. Et j'ai besoin d'aide d'une personne compétente en cette technologie pour apprendre les choses qui sont difficiles pour moi. Je suis contente d'avoir cette aide et la possibilité d'apprendre. J'aime apprendre Internet et différents programmes informatiques. C'est intéressant. Je suis sourde et assez frustrée par l'incompréhension en communiquant avec des entendants. J'ai besoin de services d'interprètes gestuels dans Internet pour comprendre la communication correctement, apprendre sur différentes choses et m'aider dans mes études. Pour apprendre les nouvelles technologies dans Internet que je ne connais pas, je cherche de l'aide dans les vidéos de YouTube. Il faut qu'il y ait un service d'interprétation gestuelle dans cette vidéo. Oui, il manque le service d'interprétation gestuelle dans l'Internet. Au Canada, il n'y a pas de service d'interprétation gestuelle via webcam. Les sourds communiquent entre eux online par l'entremise de webcam, et c'est parfait. Mais s'ils veulent communiquer avec une personne entendante, ils ont besoin d'un interprète. L'appareil de télécommunication pour les personnes sourdes ne peut pas réellement satisfaire ce besoin. Il est préférable pour les sourds de communiquer via un interprète à travers une webcam. Les sourds communiquent avec l'interprète en langue des signes et l'interprète traduit le message verbalement aux interlocuteurs. Ainsi, ils peuvent faire un rendez-vous ou communiquer avec sa mère entendante de façon plus compréhensible pour eux. C'est ce qu'il manque dans la nouvelle technologie au Canada. Aussi, au Canada, dans certains villages lointains, il n'existe pas de service d'Internet haute vitesse, ce qui rend la communication via webcam difficile pour les sourds car c'est très lent. Alors, il faut établir l'Internet haute vitesse partout au Canada. Internet services for smartphone is expensive. So it would be a good idea to cover all Montreal Island by wireless internet service that deaf people could use their smartphones and tablets to communicate at any place in the city. Thank you.